Salut, épisode 6 de Fallout 3. Techniquement, le son est enregistré. On va terminer de fouiller Minefield et on retourne à Megaton. Donc ici c'est fait. Ici c'est fait. La boîte aux lettres ici. Maintenant c'est fait. Personne. Non plus. Toujours pas. Un rider. Habitant de terre, désolé. Il y a eu un petit conflit, j'ai eu l'impression. On peut vider. Ça serait sympa une lampe torche. Passer à la suite. Reste plus que 7 maisons. Ça c'est pas bon. Mason Gibson. C'est pas clean tout ça. Plus comme par hasard, c'est la plus complète. D'apparence en tout cas. Un pierre. Non, c'est pas grave. Ah, un coffre. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah du coup, on vide la maison. Je crois avoir repris des livres. Armes de corps à corps, 2 points en plus. Ça, c'est la médecine, c'est ça? Manu, 2 points en plus. Et c'est tout. Je peux sortir. Attends, y a quoi ici? Ah, très difficile. Première fois que je fais attention à ça. On repassera. Du coup, retour à Megaton. On va essayer de faire à pied. Parce que c'est mieux la marche.
Ah, un ennemi. Une mouche. Ah non. Un pierre avec un couteau. Et voilà. On peut continuer. Ça me dit quelque chose cet endroit. Pas celui auquel je pensais. De l'eau? Ouais, de l'eau. Éviter de passer trop près. Ça serait bête de faire face à un fangeux. Les champignons fluo, c'est pas bon ça. Un petit robot volant. Et une mouche. Et voilà. On devait plus être très loin de Mégaton, du coup. Enfin, plus très loin, tout est relatif. Ouais, il y a le panneau, donc c'est plus très loin. Ok. De retour à Mégaton. Range l'arme, pas besoin ici. Du coup, on range le tout.
Les livres d'avant-guerre, on en aura besoin pour une quête. Petite sieste et on reprend. C'est fait. On a les mines sur nous. On peut retourner chez Moira. Comment vont ces petites patates chaudes? Parce que, vous voyez, elles sont sur le sol comme des pommes de terre. Et chaudes parce qu'elles... Parce qu'elles explosent. Alors, quoi de neuf? Alors, Une mine rien qu'à moi? J'en avais toujours rêvé. Enfin, depuis que je vous ai demandé de faire cette mission, du moins. Maintenant, racontez-moi tout. Comment c'était là-bas? Qu'est-ce que ça fait de désarmer une mine? C'est comme ça un peu partout de nos jours. Bravo pour avoir réussi à rester en vie dans ces conditions. Ça fera un excellent exemple pour le livre. Je sais que vous ne voulez plus entendre parler d'explosifs pendant un moment, mais vous savez les gérer. Tenez, prenez ces jouets. Regardez, cette mine me donne une idée. C'est un engin redoutable qui cause des dégâts terribles. Mais c'est assez facile à fabriquer. ça marche. Oui, vous avez fait de l'excellent travail. Je n'ai plus qu'à ajouter les recettes de cuisine pour la viande de rat et le chapitre est fini. Tenez, pour vos services, j'ai mis quelques steam packs de côté. Ils pourront vous servir. Il reste deux chapitres à écrire. Parfait. Le deuxième chapitre sera un peu plus difficile, je crois. Il parlera des créatures et de leur comportement. Par exemple, repousser les rats taupes. En savoir plus sur les fangeux et, en cas de problème, comment se soigner. Allez, c'est parti pour le deuxième chapitre. On commence par quoi? Alors, les rats taupes, c'est d'extermination avec un outil spécial. Les fangeux, ça a rapport avec la discrétion. Gestion de blessures. Faut être blessé pour faire ça, je crois. En tout cas, on va commencer par celui-là. Les rats taupes peuvent creuser presque partout et causent des tas de dégâts. Alors j'ai eu envie de créer un répulsif chimique pour les chasser. Mais il faut le tester avant que je mette la recette dans le guide. Alors il faut que vous trouviez quelques rats taupes et que vous fassiez des essais. Ce sera facile. Une pression sur l'applicateur et ça les met mal à l'aise. Ensuite, ils disparaissent aussitôt. Vous pouvez essayer sur quelques rats taupes, mais pour un vrai test, il en faut une dizaine. Il y en a des tas dans les égouts tièdes du centre. Objets spéciaux? Un peu. J'ai le plan d'un truc appelé lance-briquette. Je vends aussi les éléments si vous voulez fabriquer vous-même cette arme. Ne vous en faites pas pour les munitions. Ce bidule tirera tout ce que vous trouverez sur le terrain. Cendrier, ours en peluche, et j'en passe. En fait, si vous voulez fabriquer une arme personnalisée, n'hésitez pas à utiliser l'établi du magasin. Il suffit d'avoir le plan et les pièces. Je ne saurais pas dire vraiment. Mais si je voulais en savoir plus, j'irais demander à Mania. Elle a vécu à Mégaton plus longtemps que quiconque. Absolument. On peut y aller. Rappelez-vous, j'achèterai tout ce que vous me proposerez. Donc, il faut aller dans les égouts. Juste avant ça, on va passer prendre la figurine pour la force ici, je crois. Qui se trouve. Si vous jouez avec ça, on va avoir un problème. Ici. Attendre qu'elle reparte. Faut qu'elle soit suffisamment loin du coup. Puis sauvegarde et on rentre. Ok. Du coup, l'arme, c'est quoi?
à poser les mines et commencer par l'endroit indiqué sur la carte pour les râteaux. Qui est là? Après, il faudra que je me renseigne pour voir si pour les autres râteaux, comme normalement on peut compléter, on peut faire faire le second stade de la quête en tuant les râteaux qui est autour de Mégatonne. Mais comme je l'ai fait en cherchant la cache, faudra voir ce que ça où chercher les autres. Ils sont peut-être réapparus. Même si je pense pas. Peut-être. Non. Ouais, c'est ce que je pensais. Il y en a 6 aux égouts alors et 4 ici. Ok. Bon, en attendant les égouts, on va reprendre le pistolet. Il a tiré sur quoi? Circulez, s'il vous plaît. Ouais. C'est quoi ici? Ah non, c'est rien, c'est de l'herbe. Rien d'important. Quelqu'un à l'intérieur? Peut-être. C'est quoi ici? Là, y a rien. Genre le campement de la compagnie Talon. Ok. Je savais pas. Nous, on va aller chez la confrérie. Mais on passera chez les au bâtiment du Talon, un de ces quatre. C'est par le pont qu'on a déminé il y a 2 ou 3 épisodes. On va contourner comme la dernière fois.
Ok. Une petite nage jusqu'à là-bas. Comment je sors de l'eau? Comme ça, voilà. C'est ici. Et voilà. On peut continuer. Il y en a d'autres là en bas. Techniquement. Ok, on va s'en occuper manuellement. De lui aussi. Parfait. C'est bouché. Le bas, ici, déjà mort. Ici, personne. Combien de ratopes encore il faut liquider? 7, 3, donc il en faut encore. Techniquement, il ne reste plus que un du coup. Que je me renseigne où on peut en trouver. On va retourner à Mégaton, apparemment ça réapparaît au bout de 3 jours. D'ailleurs, il faudra le garder ce bâton. Parce qu'ils nous le. Ils nous le prennent pas quand on est sur le vaisseau alien. Ok, bloqué. Donc, 3 jours. Les 3 jours sont passés, on peut sortir. Bienvenue
Sinon, on testera les solutions alternatives. Ouais, ça a marché. Excellent. On peut y aller. On en profitera pour faire une sieste du coup. Quoique non, ça... Si on fait une sieste, ça répare les membres cassés. Et ce sera peut-être nécessaire pour la quête gestion des blessures. Oh, je suis impatiente de savoir ce qu'a donné le répulsif. Oui, j'ai largement testé le répulsif. Oh, excellent! Des tests de terrain étendus, des rapports précis, mais quel dévouement! Que pourrais-je demander de plus à un assistant de recherche? Alors, qu'est-ce qu'a donné mon répulsif chimique? Aussi efficace que sûr, je parie. Oui, les ratopes, ils sont allergiques. Ces pauvres petites ratopettes. Je me demande si je pourrais en faire une version hypoallergénique. Mais ce serait moins efficace. Je devrais l'indiquer. Ce serait important si on arrivait à domestiquer les rataupes. Peut-être pour les traire. En attendant, gardez le répulsif. Oh, mais pour vous dédommager, il me reste des produits chimiques utilisés pour le répulsif. Vous saurez sûrement quoi en faire. Peut-être. Ah oui, Jet, ça marche. On ignore beaucoup de choses sur les fangeux, leur intelligence, leur férocité. Ça mérite clairement une étude. J'hésite à vous le demander, mais il faudrait que j'examine les effets d'un important traumatisme physique. Je vous soignerai après, bien entendu. Et ça devrait être tout pour le deuxième chapitre. Lequel voulez-vous examiner? Gestion et blessures. Eh bien, je n'ai jamais l'occasion d'étudier des gens gravement blessés. Soit ils pleurent pour qu'on les soigne, soit ils se vident de leur sang. Mais vous avez l'air capable d'encaisser et je ne trouverai jamais meilleur exemple que vous de l'anatomie humaine et de la résistance aux dégâts. La prochaine fois que vous vous ferez amocher, revenez ici pour que je vous examine avant de vous soigner. Je veux dire, vous vous ferez blesser un jour ou l'autre de toute manière, non? Ouais, on va faire ça comme ça. Waouh, quel auxiliaire de recherche vous faites! Je veux dire, quel dévouement! Démontrer comment endurer la douleur en se faisant blesser, wouh! Et quand ce sera fait, revenez ici avec de belles blessures, genre un membre infirme ou deux. Je prendrai des notes et je vous soignerai. Je vous attendrai avec des tas de pansements, alors ne vous en faites pas et allez vous faire amocher. Oh, et prudence, hein. Ça marche. Essayez de ne pas vous faire tuer. Du coup, les soins, ils seront manuels, du coup. Ouais. Du coup, on va commencer. Non, on va pas commencer le prochain épisode, on va parler au saloon. Du coup, on va rester là pour cet épisode. Salut!